se retrouve sur Ark, et pas n'importe quel Ark, le nouveau DLC qui vient de sortir de, du Far West. Donc ça commence bien, je commence déjà à tomber dans la fossée. Et du coup on est sur le serveur de Immersive TV. Et je ne suis pas seul, je suis accompagné d'Arcanix et bonjour de Malmort. Donc il y aura peut-être d'autres personnes qui vont nous rejoindre en cours de l'aventure. Oups, je vais remettre le nom des dinosaures et tout. Et en fait, on a déjà commencé un peu pour ne pas, comment dire, comme on est sur un serveur PVP qui a des fights et tout, ne pas devoir recommencer une base deux fois, trois fois, quatre fois, parce que avant cette base-là, on a déjà eu des problèmes avec d'autres joueurs et tout, qui nous ont rasé avec des golems et plein d'autres trucs qu'il n'y a pas sur l'arc normal. Donc ce arc-là, franchement, je tenais à faire une série dessus parce que... il est vraiment bien quoi, il y a plein de trucs fun à vous montrer. Je pense que la plupart d'entre vous qui vont suivre cette vidéo connaissent Ark. Enfin, peut-être pas la plupart, mais connaissent déjà Ark et ont, sont sûrement abonnés à d'autres youtubeurs qui font des vidéos dessus. Mais moi je tenais vraiment à faire ma série dessus parce que je trouve ça fun et tout. Puis en plus avec la team c'est toujours drôle. Et du coup ben on est sur le serveur d'Immersive TV, donc pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne. Je vous invite à aller dessus, comme ça vous pourrez suivre aussi les aventures sur, sur le serveur de sa vision, tout ça. Même si je pense que c'est plutôt lui qui devrait me dédicacer puis son nom d'abonné. Et du coup, ben voilà, donc on a fait une petite base, hein, mais ça, va, ça ce sera pas la base définitive. La vraie base, on la construira, je la construirai sous vos yeux. Parce que ça c'était juste l'histoire de se mettre bien pour... pour commencer parce que... Ouais voilà, pour pas se faire raser. Du coup, on va commencer, donc là ça commence bien, j'ai plus d'indirence. Du coup, je vais vous faire rapidement le tour de nos dinos. Donc, on a deux Morellatops. Oui! On a deux Morellatops, donc ils ont des assez bons stats, un level 55, un autre level 73. C'est assez beau et tout. Hop! On a dans la base, donc c'est vraiment petit. Hein. Ça, c'est... On a capturé aussi. Une petite bouboule, comme on appelle ça, c'est un Doidicurus, mais on appelle ça une bouboule parce qu'elle se met en boule. Après, on a un. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un Torny Dragon, ça, ça s'appelle. Un Torny Dragon. Un Torny Dragon. Torny Dragon, voilà. On, avec un petit skin de sel pas dégueulasse. C'est franchement un dino. Après, on a. Oh, faudra un, leur... un Galiminus qui s'appelle. Après, on a Roger, voilà. Rougil Terror Bird. Voilà un Terror Bird. On a deux tigres et là-bas on a deux carnaux. Donc vous allez peut-être dire ouais mais c'est dégueulasse, vous avez déjà avancé et tout. Non parce que en fait on va tamer tellement de dinos et tout qu'en fait les tames vous allez quand même les voir. C'était juste histoire de se mettre bien, je le répète encore une fois. Et ce n'est pas tout. Donc je vais vous mettre à base la moitié de Gerboa. Vous avez fait un peu de nuit, on va faire tout ça. Hop. Merde, j'ai oublié d'allumer. On a des Gerboa et tout. Donc, ici c'est la crèche. Du coup on va monter à l'étage, on a quelques armoires avec des ressources dedans qu'on a farmé aussi pour commencer le base. Là on a deux forges, on a un smithy et on a trois papillons. Des papillons qui peuvent larguer des spores, Canix va le montrer, voilà, ça, il largue des spores qui bon, ils stunt pas mais ils ralentissent grandement les dinosaures et les joueurs ennemis. Ouais, enfin, ouais. Même sauvage d'ailleurs. Du coup voilà. Donc, je trouve que cette map est très belle aussi. Hein. Les montagnes là-bas avec le reflet du soleil. Là, ça va être la nuit, dommage. Et pour ceux qui connaissent un peu ce jeu, on a essayé d'augmenter les gammas. Un loup. Comme je disais, on a essayé d'augmenter les gammas pour que ce soit plus visible la nuit et tout. Sauf que le serveur, pour ceux qui ont programmé le serveur, enlevé. Ça. Du coup, en gros, ça sera toujours en pleine nuit. On ne pourrait pas augmenter les gamins, on va pas en faire avec. Par contre là on se la technique et ça... Quoi ça technique saute? Oh il a sauté. Non pas les papillons. Vas-y J'entends mal. Ah bah désolé. Non oh, c'est le bordel, il y a tous les... Oh bah YOLO. Voilà. Je vais essayer d'améliorer la vie là. Oh, il a plus de vie le tigre. Là, le tigre. C'est vrai que tigre fait quand j'éteins la lampe. Oh, regarde la vie du tigre. Comment? La vie du tigre. Regarde, le tigre est dans les spikes. Là ici là. Oh. On va péter. Attends, je vais péter la spike. Viens.
Lara, tu vas le tuer. Ça va, ça va. Oh faut putain. Survivor. Oh putain, il va, on va l'appeler non, Survivor. Non, le miracle. Ok. Le miraculé ou Survivor. Survivor. Ah oui. Mais non, mais je vous ai pas montré mon skin aussi. Donc là, c'est un cowboy du Far West avec la petite manteau, la petite danse, le petit vautour qui s'appelle d'ailleurs Padawan, le petit bouclier et Arcanix, c'est pareil. Voilà, ouais. Voilà. Du coup, je vous ai fait un peu de tour et là-bas à côté, on a une source. Je vais essayer d'y aller. Vas-y, vas-y, fais gaffe. Ah bah voilà, ma torche s'est pété. Putain, c'est le bordel. Déjà, je suis perdu. Ah non, c'est bon. Du coup, faut que je m'oriente vers là-bas. Voilà. Et on a commencé les bases de la base, voilà. Du coup, on peut faire quoi et dans cet épisode? Et juste à côté, on a un puits. Du coup, on fait quoi dans cet épisode? Du coup, bah, on a un peu présenté tout. On va commencer à montrer le build et tout. Faire 2-3 trucs. Pour l'instant, on n'a pas d'objectif précis, mais... Oh, mais sinon, pour, je sais pas, pour tamer arborer la top, c'est pour... Ouais, pour un petit truc. Ouais. Voilà. Petit truc sympa, quoi. Ouais. Du coup, on a un puits juste à côté, on a une source d'eau qui est essentielle et très importante dans ce mode de jeu, parce que sinon, vous vous doutez bien, sans eau, et c'est un peu difficile. Du coup, là, on a les bases de la maison qui fait 5 sur 5. Donc, c'est un serveur PVP, donc il y aura des combats et tout, c'est prévu. Par contre, on a pu voir que les autres joueurs étaient des gros PGM. Hein. Donc, on va essayer de se débrouiller. C'est pas des PGM, ils ont juste commencé 40 ans avant nous, quoi. Ouais. 40 ans avant nous. Ouais, mais ils sont quand même forts. Hein. Puis y en a qui sont... Ah non, oui, j'avoue, j'avoue. Du coup, je vais réparer la torche. Ouais. C'est bordel. Pour ceux qui viennent peut-être d'arriver sur la chaîne ou qui regardent cette vidéo et qui ne connaissent absolument rien au jeu, en fait, c'est. Ark Survival, c'est un jeu qui est basé sur l'univers des dinosaures. Donc il y a des dinosaures et toute autre créature. Et le but, c'est de survivre, de construire sa base, de faire du commerce avec les autres joueurs. De se battre avec d'autres joueurs pour agrandir son territoire et tout, s'affirmer sur le serveur. Donc il y a plein de dinosaures et tout, il y a aussi des boss, les grandes tours là, ça permet d'invoquer des boss. Donc il y en a une verte, une bleue, une rouge, c'est ça. Ouais. Et il y a des airdrops qui sont de différentes couleurs, donc les rouges et les violets c'est les meilleurs, et les blancs et les verts c'est les moins bons. Et après entre les deux il y a l'airdrop jaune qui est beauf. Et bleu. Et violet. Du coup ouais, on va t'amourer à la tops. Tu sais où il y en a par contre? J'en ai pas attends. Voilà, petit réglage du micro. Va falloir le chasser. J'en ai vu pas très loin de la base quand je me baladais. Il avait pas trop trop bas. Notre tournée d'armée là. Viens mon frère, mon bien. Traverse les murs et tout. Du coup, on va faire des flèches papy. Tu t'es fait. Est-ce que tu t'es fait. Ouais, normalement il reste masse narcotique et tout. Ah ouais. En fait, faut fouiller un peu dans les coffres. Ouais, je vais en prendre. C'est genre moi, je vais les buter, je vais faire un cut. Histoire d'avoir des flèches non. Dans des flèches, dans des. Si tu fouilles un peu dans les coffres, il devrait en avoir un peu. J'avais même pas vu que Malo était monté là-haut. Ah ouais, peut-être. Faut que je crafte des flèches très. Putain, il fait nuit, on voit rien. Toujours avoir la torche de survie, l'essentiel. Voilà. Hop. La torche de survie, c'est trop simple. Parce que tu vois rien, il est super. La visibilité, franchement. C'est l'industrie, s'il te plaît, le métal il carbure. En même temps, sur ce serveur, le time est boosté. Hein. Ah ouais! 8, parce que sinon, ce serait trop long. Regarde, putain. Hop, du coup, moi j'ai mes flèches tranquilles. C'est quand tu veux. Faut un peu de paix aussi, parce que. On ira taper ça demain. Ouais. Moi je vais faire quelques flèches. Tu t'es fait ton arbalète? Je vois quelques abonnés fidèles et tout qui participent souvent. Sur la chaîne et tout, on pourra peut-être renommer des dinosaures avec leur nom. Ouais, j'avoue. si vous mettez un corps. Des dodos sur l'ancienne série. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi on a arrêté sur l'ancienne série, c'était dû à de nombreux événements. Ouais. C'est vu, voilà.
je pourrais pas vous dire plus en détail, mais on a dû arrêter. Si on a dû arrêter, c'est pour une bonne raison. Et du coup, ouais, du coup là, ça devrait qu'en avance, on va sûrement rec au moins 5-6 épisodes, histoire de, même si la série devrait malencontreusement s'arrêter à cause d'un problème, mais je pense que ça arrivera pas parce que ouais, merci TV et tout. Voilà, c'est parce que ouais, le serveur avait fermé. Je pense que Immersive TV va faire durer un peu. Et qu'est-ce que je disais déjà? Et du coup, cette série, on prévoit de la faire durer. Et du coup, s'il y a une petite absence de vidéo en ce moment, c'est normal. Ça veut dire qu'on sera en train de rec la série au moins 5-6 épisodes. Et après, on vous sortira des épisodes 1 tous les jours ou tous les deux jours. Ouais. Écoutez. Oh, j'ai 3 gerbois, un machin à côté de la base, level 8. Et ça peut se bolas? C'est un peu gros, non? Ouais, je pense pas. À fuir. La question par curiosité. Non, mais je sais pas, ça me semble un peu gros. Rien. C'est horrible. Bah. Si veux, je te donne mes 5 flèches tranquilles et on. Je l'endors. Ouais, bah oui, on l'adore. Vas-y. Nickel, hop, dans la tête. Attention. Voilà, c'est parti. Vas-y, fuis. Rattrape-le. C'est bloqué dans les écailloux. Attention, vite. N'oublie pas la temporisation, très importante. Ouais. Là, je te claire. Oui. Faites à. Ah. Et voilà. Non. Ouais, c'était rapide, level 8. Tiens, regarde ce que j'ai chopé il y a pas longtemps. Regarde dans le Morillatops. C'est un œuf de papillon. Un œuf de papillon. Ouais. Les papillons qu'on a sur le toit, ils ont fondu un œuf. C'est leur qu'on a. Oui, oui, ils sont mad boosted. Faudrait voir. Pardon. Par contre, évite de lui mettre des narcotiques. Fais des. Et. Ouais, non, mais c'est juste au cas où. Ouais, t'inquiète. Par contre, t'as oublié de lui donner des baies. Ouais. Ça peut toujours servir. Oh, il y a un orage, je crois. Un orage, pardon. On va vraiment rien. En vrai, là, on va rien voir du tout. C'est le déchaînement. C'est bien fait, hein. Par contre, c'est bon. Le serveur n'a pas voulu qu'on fasse cette vidéo. On l'a fait. Il veut pas te le. Alors, Eh là là. Mon œuf de papillon. Moi, faut que je mange un peu. En vrai, c'est la fesse. Ah, moi aussi, je suis en train de crever de faim. Bah, on va faire cuire de la merde. Je vais monter les stats. Donc, comme d'hab, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que vous savez tous, c'est la petite éclair, c'est la stamina. Donc, c'est le nombre de sprints, d'attaques qu'il pourra faire à la suite sans se fatiguer. Ça, et s'il en a plus, il va perdre de la torpor et il va pouvoir s'endormir. Donc, en pleine bataille, si vous voulez, ça va être un peu chaud. Quoi. Quand ton dinosaure s'endort pendant la bataille, t'es un peu dans la merde. Ouais, mais c'est que si tu continues à taper. Parce que ouais, si tu t'arrêtes, ça régène. Tu peux temporiser aussi. Après, il y a aussi de l'oxygène. Vous savez. Ça sert à plus que ça. C'est bon. Voilà, il faut toujours qu'il y ait de la nourriture. Parce que là, il a besoin de la nourriture, donc je pense que ça va aller. Après, le poids, c'est ce qu'il peut porter. Et notre personnage, y compris. Après, les dommages, voilà. Pas besoin d'expliquer plus. Et la vitesse, et sa vitesse. Oh yes, y'a plein de. Ils sont comparés au dino, pas tous les dinos comparés, c'est juste pour la vitesse de passe du dino. En gros, si lui il a si lui, t'as un raptor, il va avoir 196%, si un raptor a 140%, il pourra plus vite le top parce qu'il y en a 187. Ouais. Oui, ça dépend la vitesse de base d'un dino, ouais, comme tu disais. Raptor, ça court plus vite que ça. Hein? Oui, oui. Non, bah, quoi que ça va vite, hein. Ça, ouais, ça va vite, c'est vrai. Et comme je le disais, sur ce DLC, il y a la météo qui a été rajoutée, les éclairs, les tempêtes de sable et tout, donc c'est franchement fun. Demain, faudra qu'on aille chasser aussi. Tu vois, ouais. C'est un peu le zoo. Putain, c'est tellement beau. Oh, par contre, c'est tellement beau les éclairs et tout. Ça fait tellement l'ambiance. Attends, je vais aller sur le toit. Excellent. Je vais le faire. Il passe un petit peu.
Ah, on dirait un jeu. Ah, par contre, faut éteindre ta torche. Oh, c'est beau. Ils ont bien taffé les développeurs, quand même. Mec, tu vois bien, ça fait la lumière aux endroits où c'est et tout. Ouais, c'est. C'est très c'est bien fait. Fait. Je suis en train de faire que là-dedans. Crash juste à côté de moi et ça m'a rien fait, donc ça doit être une animation. Oui oui non ça fait rien. Sur le terre, parce que mec, en vrai là c'est un point faible pour le gars, ils arrivent tranquillement en être basse. Ouais j'avoue, bon au pire on s'en fout. Au pire c'est ouais j'avoue c'est la froide. Faudra qu'on aille chasser avec on le a pic. Bien envie de... Chasser, ouais, mais bon. Là en pleine nuit c'est chiant. Ouais, j'avoue, je c'est chiant. En plus, là il est 3h du matin, ça devrait bientôt se lever. Il était dans la montée, je crois. Ouais, il est dans la montée. Aussi, au niveau poil et tout, c'est bien travaillé. Ouais, je vais faire un peu le tour de cette magnifique animale. Là, on va pouvoir, ouais, présent. Là, là on pourra là, ça, là on peut faire genre un peu présentation en termes de petits trucs la ouais. Chasse du coup ah oui aussi hein, une nouveauté comme l'eau est plutôt rare et que ça arrive parfois de faire des expéditions on peut pas aussi oui. Ça, c'est pas oh yes cool. C'est trop bien mec je savais pas t'avais un autre dino genre lui je crois lui là et bah genre il était zéro d'eau et je crois que quand il pleut ça les remplit. Je suis sûr à 100% qu'il y avait un des deux qui était fini. Et du coup, ça peut toujours servir en vrai. Oui, est-ce que, je sais pas si, t'avais, si tu avais remarqué que les orages dans le jeu, c'est des orages secs, pas avec de la pluie. Rien. Mec, si on y va à pied vers le puits, on peut se faire défoncer par n'importe quoi. Ouais. T'en fous, j'ai El Vautour. Ah, il a bientôt 1000 points de vie mon retour. Du coup, je vais mettre la vie hein. Parce que le mec il se fait one shot. Je vais mettre la vie. Notre Samus, comme tu l'as appelé. Samus, il est méga. Tu as 2000 points de vie et après on augmentera les dommages. Mais déjà qu'il a pas mal de dommages. Ça c'est super stylé, ça lance des picots. Ouais. Tu veux te faire une pique en métal ou une corde comme ça, tu peux le faire. Ouais. Il y a largement assez de. Ah ouais, largement. J'en fais cuire pas mal là depuis tout à l'heure. On en a presque 100. Ah oui, parce que aussi sur le serveur, il y a les ressources, les arbres, les cadavres, tout ce reste. C'est amélioré. C'est-à-dire que c'est plus. Ça dure plus longtemps et ça en c'est plutôt pratique. Putain mec, juste une petite balle de baliste, ça en coûte 14 de métal. 14. Oh. Ça se farme, c'est chiant quoi. Mais bon en même temps, on va se défendre. Oh j'avoue. Bonjour. Comme vous pouvez le voir, il y a l'action dans le chat. Si je vais un peu suivre le chat, si je m'arrête 2 secondes pendant la vidéo, c'est que je regarde le chat. Hein. C'est juste pour histoire de se mettre au courant de ce qui se passe. C'est bien de savoir s'il y a des guerres, des alliances. Ça m'énerve ces orages à la con. Ouais. Là il fait plus trop nuit, je crois. Là il est 4h, tu vois, on voit déjà. La vidéo lorsqu'il fait nuit. J'avoue, c'est un peu. C'est un orage, je peux entendre. Ah, je crois que le soleil il s'est à peu près levé là. Oh putain, le puits c'est tellement la vie, mais qu'on aurait pas de puits, on serait dans la merde. Ah! 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 Au secours! Qu'est-ce qu'il y a? Un terrain merde! En plus, je vois rien qui fait lui. Je tire rien. Targuer les sports. Ah. Non, t'as fail! Ah! C'est bon, targuer les sports. Ah! C'est bon, il est mal. Courez. On rentre à la base, sera ravitaillé. Courez. On met les unités au sol. Viens, on essaie de l'endormir, celui-là. Ah. On l'endort ou pas? Il est où? Toutes les unités. Ah, il est dans les spikes. Ah, c'est spike.
Ah non, il m'attaque. Défonce-le. Ah non, attends. Vas-y, je détruis. Oh là là, sous l'orage et tout, ça fait trop vite. J'ai touché. Ah, ça fait mal. Il est où? Il est là. Ah, je bug. Oh, il m'a stun. Il est où? Il court. Non mais c'est bugué, je le touche mais ça compte pas comme si je l'avais touché. Moi j'ai plus de 30, on y va au frisbee. Oh. Mais Jackie, tu fais quoi? Bon bah... bon bah c'est pas. Au pire il y en a un qui est bugué au-dessus de la base. Vas-y Philippe, défense-le. Tiens. Regardez, mon retour dépasse normalement. Non, moi il veut plus dépeser là. Ah, moi aussi. Tout à l'heure j'ai essayé, il voulait plus. Attends, est-ce qu'il suit ma copie? Non. Non, moi j'ai essayé de m'allonger et tout, je sais pas, ça veut plus. Parce qu'il y avait un moment où les vautours pouvaient manger le cadavre. Fais le poulet. T'auras plus qu'à faire une salle de Galiminus, s'il te plaît. T'as un truc et notre carnot fait. Puis il y a. Regarde, t'es en merde, moi je suis chaud pour entamer un autre, il y en a juste au-dessus de notre base là. Ouais. Oh, le Morellatops, tu l'as oublié, il s'est levé. Ah oui, le Morellatops. Voir si je peux pas faire une selle. Donc là je suis en train de crafter de la clé, donc pour la clé il faut deux sables, on a deux tas de sable avec du cactus sap. Je sais pas trop ce que c'est, ça doit être un bout de cactus je pense. Ouais. Donc ouais. Ça permet d'obtenir de la clé qui permet de faire les murs de notre future base. En train de crafter une selle là. Putain. Du coup c'est assez pratique l'arbalète et tout, en plus ça fait mal, je crois que c'est boosté hein. Je sais pas. Perso, un coup d'arbalète sur un loup, ça fait beaucoup plus mal que sur l'arc normal. C'est possible. C'est bon, j'ai la selle de Morellatops. T'as pété un mur là. Hein? T'as pété un mur. Ah, il fallait faire passer les dinos. Tu sais, de quand on s'est fait attaquer par le machin là. Et lui. C'est bon, j'ai la selle là. Ah oui, il est coincé dans le caillou là. Il est juste au-dessus là. Ah oui, je vais dormir, pas de problème. Pas dans le. En fait, là, c'est un piège à Terrorbird. Tout le temps, il y a tout le temps des Terrorbird là-dedans. Et c'est pas trop mal. Hein. Tempo. Hein. N'oublie pas la bonne temporisation comme on aime. Si, c'est un putain de côté. Malmort rejoigne en plein cours d'une vidéo. Hein. C'est juste que s'il est pas avec nous maintenant, c'est qu'il fait. Ouais. Bonjour, Castellanos. Ah, le Terrorbird. Mec, c'est con. Ce serveur, il est en primitif. Tu l'as pas dit, il est en primitif. Ah oui. Mais il y a même. Mais par contre, il y a le lance-flamme, les liaisons nocturnes et tout. Mais sinon. Oh, c'est quoi les TP Jara? Les TP Jara? Oh, les TP Jara, c'est le gros truc. Le gros nouveau oiseau là. Qui peut porter trois trucs. Ah oui, ça c'est. Mais du coup, je suis monté level 50 et j'ai plein de nouveaux crafts. J'ai le craft. De la. Hop, on va manger des baies. De la tronçonneuse et tout. Hein. Il mange 1000 baies à la minute. Ouais, c'est bon, il dort. Ouais. Du coup, je. Ah oui, bah, faudrait qu'on fasse une petite chasse. Non. Par contre, j'arrive pas à prendre de screenshot pour la miniature. Hein. Je sais pas si c'est bugué. Toi. Du coup, je vais sûrement faire une petite ellipse là.